soit avec vous. En se fondant sur la tradition que nous retrouvons dans la Bible, en se fondant sur la tradition des saints, l'Église a identifié ce qu'elle appelle les formes essentielles de la prière chrétienne. Et dans ce cadre, j'aimerais vous parler maintenant de la bénédiction. La bénédiction, c'est le point de départ de la prière chrétienne, d'un mouvement qui s'appelle Dieu qui bénit et l'homme qui accueille la bénédiction de Dieu. La bénédiction, c'est d'abord l'accueil de Dieu qui, à l'homme, donne la grâce, la vie, ses dons. Et l'homme, en retour, dit donc, Seigneur, je te bénis. L'homme bénit Dieu, non pas parce qu'il a un pouvoir sur Dieu, non, il ne faut pas confondre les deux bénédictions. La bénédiction de Dieu naît du fait que Dieu nous donne un pouvoir sur nous. Et l'autre expression de la bénédiction, c'est l'expression de la reconnaissance de l'homme qui se laisse maintenant habiter par la grâce de Dieu. Le lieu le plus indiqué de la bénédiction, c'est l'Eucharistie, où nous bénissons Dieu qui nous donne le pain et le vin et tous les bienfaits. Et le peuple répond en principe, béni soit Dieu maintenant et toujours. Mais c'est aussi Dieu qui descend pour accueillir maintenant notre offrande. Quand nous reprenons les paroles du Christ en disant, il prit le pain, il le rompit, il le bénit. C'est-à-dire, il a donné vie, il a donné puissance. Quand Dieu donne vie, l'homme accueille et se retourne vers l'auteur de la vie. Apprenons à nous laisser habiter par la bénédiction de Dieu. Apprenons aussi à bénir Dieu. Et que Dieu nous bénisse effectivement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.